Moshe Rabbeinu veut aller sauver le peuple d'Israël. Il fait énormément d'efforts dans ce sens. Sa femme, ses enfants, ils divorcent. Il dit, rentre chez ton père, je dois m'occuper de sauver un Israël. Il veut commencer à donner les makotes, les 10 plaies. Première plaie, le sang. Dieu lui dit non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'eau du Nil, elle a soulevé ta corbeille. Tu dois avoir reconnaissance du bien. Bon, les crapauds, idem, sont sortis de l'eau. Après, les poux, idem, tu ne peux pas frapper la terre. La terre, elle a caché l'Égyptien que tu as tué, donc elle t'a aidé. Regardez ici, la reconnaissance du bien à quelque chose d'inerte, de l'eau, de la terre. Et nous, chers amis, ce matin, je me suis levé, je respire. Vous savez combien de fois on respire par jour? 22 000 fois. Et Chazal ont dit, nos sages ont dit, à chaque respiration, il faut remercier Dieu. 22 000 fois remercier Dieu. Si quelqu'un se rend compte de tous les bienfaits que Dieu lui fait tous les jours, sans cesse. Une machine qui fait 22 000 actions comme ça pendant des dizaines d'années. Jamais il faut l'amener faire un test, jamais il faut l'arranger, tout. Elle fonctionne. Combien on doit remercier Dieu? Et plus on remercie, plus lui, il va nous aider.